Je déclare donc cette troisième édition ouverte, que le meilleur gagne et très très belle soirée à tous. Forcément, je vais pas pleurer. Mais oui, voilà. De joie, pourquoi pas? Non, non, on n'est pas comme ça. Dans le métier, on est dur, mais on pleure pas. J'en ai vu, hein, je vous annonce, hein, sur cette scène. Hein. Non, 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 on pleure pas. Et j'ai toujours dit que j'irai le revoir et je pense que ça sera l'année prochaine. Merci, vous allez au petit fort. J'aime ça et voilà, je suis très heureux d'être où je suis. J'ai un patron avec qui on s'entend parfaitement. Et voilà, c'est grâce à lui aussi que je suis là. Hein. S'il n'avait pas fait le nécessaire pour m'inscrire, bah, je ne sais pas là. Voilà. Donc, je remercie énormément ma femme parce que je suis plus de temps à l'écurie. C'est vrai, je consacre ma vie à l'écurie. The winner is Christine Duterte. Joie, très émue, un peu de fierté, et puis je dirais aussi le sentiment du travail fait. Voilà, c'est pas le travail bien fait, c'est pas le travail, c'est le travail fait. Voilà, je suis très heureuse. C'est Pascal Véran. Ça y est, c'est fait. J'avais deux concurrents formidables, dont une personne que je connaissais pas, qu'on a appris à connaître ici, aujourd'hui. Et formidable aussi, et je remercie mon directeur, mon employeur, et ma femme, mon fils, pour qui je passe énormément de travail, et peu de temps avec eux. Et je vous remercie beaucoup, je remercie Godolphin, France Gallo. C'est formidable de recevoir ce prix, c'est... Voilà, c'est une incompréhension, Oh, je ne peux plus parler. Merci Godolphin, merci France Gallo, merci Jean-François, sans lui je ne serais pas là. Merci Madame Bernard qui m'a inscrit, qui croit toujours en moi, qui me suit. Et puis voilà, et j'ai pas l'habitude, et dans l'ombre, je suis plus à l'aise. J'ai beaucoup de personnes à remercier, en commençant par mon patron, Monsieur Demol, qui est ici présent, et ben, sans lui, je serais pas là. Je remercie mes parents aussi, beaucoup, qui sont là, et beaucoup de personnes qui ont été là depuis un moment. Et tout est allé très vite pour moi, je suis encore très très jeune, et beaucoup d'émotions. Et voilà, merci. Pascal Véran. À la base, je ne pensais pas faire ce métier du tout, parce que tout le monde était contre moi. Les médecins, les chirurgiens, mes parents, parce que à cause de ce problème que j'avais à la jambe, que je n'aurais peut-être pas pu remarcher, et que ce métier est trop physique, trop difficile pour moi avec les complications que j'ai encore actuellement, et que ben, je passe au-dessus de ça, et que je fais cette passion, et la douleur, je l'oublie, elle est là, elle est présente, mais je l'oublie, les chevaux me le rendent bien, et voilà. Et je suis très heureux. L'idée de départ, c'est venu de Son Altesse Sheikh Mohamed lui-même. C'était vraiment de sortir de l'ombre les gens qui travaillent dans les écuries, dans les aras, qui sont vraiment le moteur de notre sport. Parce que ça n'existe pas sans eux. Et on a des belles journées aux courses, on a des gagnants, on a
plein de moments de joie, de bonheur, mais c'est vraiment les gens qui travaillent dans les coulisses qu'il faut être remercié pour leur travail. J'étais vraiment frappé ce soir par évidemment la qualité de tous ces finalistes. Je trouve qu'ils ont tous une personnalité incroyable. Ils sont évidemment passionnés par ce qu'ils font. Ils ont une force de caractère qui moi, m'a épaté. Ils ont des parcours qui sont très singuliers, les uns et les autres. Ils sont dû se battre pour être là où ils sont aujourd'hui. Ils continuent à se battre et surtout, ils regardent l'avenir avec confiance. Moi, ça m'a donné une claque, ouais.